Shalom, cher champion de Christ. Je veux personnellement t'inviter à notre camp de janvier, 3 janvier à 6 janvier, le camp de Church Growth avec tous les pasteurs et leurs épouses. Et cette année est très particulière. Cette année, mon église ne grandit pas depuis un certain moment. Quoi faire? Projet 1000 membres est très possible. Est-ce que tu sais qu'avoir simplement l'onction n'est pas suffisant pour faire grandir ton église? L'onction prophétique ne fait pas grandir une église, ni l'onction évangélistique ne fait pas grandir une église. Vous avez besoin d'apprendre pratiquement exactement quoi faire, exactement quoi tourner pour placer ton église sur auto-croissance. Et cette année, nous allons traiter tout cela. Paul a dit à son fils Timothée, à partir de 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17, que toute écriture est inspiré par Dieu et utile pour 4 choses en particulier. Est-il pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour instruire dans la justice. C'est le verset 17 qui est très important. Verset 17, il dit, enfin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour toute bonne œuvre. Construire une grande église est une très bonne œuvre. L'église doit être costaud, gigantesque, 1000 membres et au-delà. Pour achever cette grande œuvre, vous avez besoin d'être parfaitement préparé et équipé. L'une des choses que vous devez faire, c'est compagnie avec les gens qui ont des grandes églises et qui ont la vision d'avoir des grandes églises. Et cette œuvre tombe aussi sur toi et te provoque à avoir aussi des grandes églises. Alors, le 3, 4, 5, 6 janvier 2024, vous ne pouvez pas rater ça. Church Growth Camp, projet 1000 membres, c'est possible. See you there. Peace. Alléluia, shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, tous les bébés et tous les champions de Christ, de toutes les églises ICC, toutes les églises non ICC, toutes les églises en France, Europe, Afrique et toutes les îles du monde. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les Seigneurs? Nous sommes vraiment heureux d'avoir cette opportunité de communiquer une fois encore de plus. C'est vrai que nous avons pris notre congé de iTrain, mais cette extra Christmas special, this is a Christmas special aujourd'hui. Je suis pas seul, je suis avec toute mon équipe. Pas toute mon équipe, l'équipe qui peut être loin des téléphones et loin des caméras et loin de l'ordinateur. Mais ça fait vraiment un plaisir. Vous entendez leurs noms, vous avez eu des différents échanges, des différents pasteurs avec de nombreuses personnes. Aujourd'hui, tu peux mettre un visage sur le nom. Donc, voici Beverly qui est là, de l'RDC Congo. Et voici Akwele qui est là, de Ghana. Voilà. Et puis, voici yours truly, yours sincerely, Miss du Monde. Docteur Elom Anan, mon épouse et administratrice de iTrain International. Et joyeux anniversaire. Non. joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde, joyeux Noël à tout le monde. En Afrique, il fait un peu frais aussi. La saison à Matane aussi a commencé. Mais ce que nous sommes en train d'expérimenter n'est rien comparé à ce que vous êtes en train d'expérimenter. Chez nous, ce n'est pas moins 5, moins 6, moins 7. Ça, c'est congélateur. Ça, ce n'est pas, c'est pas climat. Ce n'est pas climat, en fait. Donc, on se contente de ce que Dieu nous a donné. Et nous prions que Dieu vous fortifie aussi. Durant cette extra spéciale, il y a 3 choses en particulier qui vont se passer. Numéro 1, je vais répondre à certaines questions clés qui nous ont été posées. Numéro 2, je vais partager avec vous brièvement dans 5 à 10 minutes pourquoi Judas a trahi Jésus et qu'est-ce qui a fait que Satan a eu l'opportunité de rentrer dans le cœur de Judas. À quoi cela est important pour chaque bébé? C'est parce que Jésus a formé 12 apôtres, 12 bergers, mais il y a un qui n'a pas réussi à rester jusqu'à la fin. Alors, la chose qui l'a piégé, exactement ce qui l'a fait tomber et descendre de sa gloire, exactement ce qui a fait qu'il n'a pas pu tenir jusqu'à la fin, fidèle jusqu'à la fin,
c'est exactement ce qui peut aussi te piéger. Il est très important que quand la Bible nous met tous ces genres de détails, on ne prend pas ça pour acquis. Benny Hinn a dit qu'il n'y a pas un détail dans la Bible qui n'est pas nécessaire. Il n'y a pas un détail dans la Bible qui n'est pas nécessaire. Donc, chaque détail est très important. Je vais partager ça avec vous. Et puis, on a un appel vidéo à faire à celui qui a gagné Makarios, un frère qui a gagné Makarios par un concours qui a été fait sur Instagram. Et cela sera très encourageant aussi pour vous parce que c'est pour vous motiver à aller sur Instagram, la page Instagram, Reverend Benny Dag Anan Instagram, et n'est-ce pas, tapoter sur le cœur, faire les commentaires, partager, taguer tous tes amis. Et la personne qui sera encore la personne la plus active dans les deux prochaines semaines recevra aussi un appel et un spécial cadeau de Dag Wellness Ministries. Alléluia. Amen. Alors prions brièvement. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette magnifique grâce et opportunité. Merci pour la puissance de ta parole qui peut nous faire du bien. Merci pour la parole que les 8 saisons, 8 épisodes de iTrain saison 1 et 5 épisodes de iTrain saison 2. Merci pour les enseignements et la révélation qui fait de nous des magnifiques bergers. Je déclare que chaque berger qui est en train de nous suivre ce soir et à n'importe quelle heure de la journée, vous allez regarder et viser cette vidéo, que la bénédiction et la paix de la saison, la paix de la saison va sur ton cœur et dans ton, sur ton demeure au nom puissant de Jésus. Que le shalom, shalom de la saison soit votre partage, toi et ta famille, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, donc, docteur Elon, je ne sais pas si tu vas prendre les questions un après l'autre. Au cours de la première session, nous avons découvert que nos brebis sont le reflet du berger. Oui, c'est vrai. Nous avons également appris que les maladies des brebis affectent également le berger. Mm-hmm. Comment surmonter cela? Comment puis-je devenir un bon berger et ne pas être affecté par les maladies des brebis? Mm. Comment puis-je devenir un bon berger et ne pas me laisser affecter les maladies de mes... Très important question. Ça, c'est une question très intelligente. J'ai dû gratter ma tête pour trouver cette réponse parce que c'est la résumé et la réponse à cette question et à la fabrique et fondation de chaque construction de chaque église. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais le médecin nous dit que diagnostiquer une maladie, c'est 80% de la solution. D'accord? Donc, dès qu'on peut pointer le doigt sur le problème, dès qu'on peut dire que voici le problème, on a déjà trouvé une solution. Quand tu vois le médecin inquiet, j'ai déjà été hospitalisé à l'hôpital, j'ai fait 3-4 mois à l'hôpital. Décembre 22, 2008, j'étais... diagnostiqué avec insuffisance rénale. Je suis resté à l'hôpital depuis décembre 22 2008 jusqu'à mars 2009 et Christ m'a guéri surnaturellement. Il est venu à l'hôpital, il m'a touché, il m'a guéri surnaturellement lui-même. D'accord? Une autre opportunité, je vais te raconter comment le Seigneur m'a guéri à l'hôpital. Mais souvent, tu vois, le médecin vient et puis ils sont en train de parler entre eux. Ils ne t'adressent pas la parole. Il ne t'adresse pas la parole. Tu le vois qu'il est en train de parler. Et ça nous inquiète. Ça nous inquiète beaucoup parce que quand le médecin ne te parle pas, il y a un problème. C'est que le problème... Ah, mais il y a un médecin, il y a un qui est assis à côté de moi. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de parler de loin. Parce que son docteur, ce n'est pas docteur théologie. Hein, elle est ophtalmologue. D'accord. Donc, tu vois que quand le médecin ne te parle pas, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'arrive pas à mettre le doigt sur le problème. Quand le médecin, en fait, dès qu'il peut donner un nom à votre problème, c'est qu'il y a déjà une solution. S'il peut te dire que ça, c'est pas lui, il y a un médicament pour ça.
Mais quand tu vois que le médecin a froncé son visage, quand tu vois qu'il est en train de réfléchir, quand tu vois qu'ils sont en train de parler, et puis il sort dehors, et puis il revient encore, et puis il parle, et puis ils font des appels, et puis il dit, on arrive, on arrive. Quand tu le vois comme ça, quand tu le vois comme ça, ça veut dire tout simplement qu'il n'arrive pas à donner un nom à cette maladie. D'accord? Donc, ça veut dire pour nous aussi, qui sommes des bergers, que dès que tu rentres dans la réalisation que ta vie affecte la brebis, ça c'est déjà 80% des solutions. Ça veut dire que tu fais attention à toi, n'est-ce pas? Tu fais attention à toi. Et puis, la deuxième chose, et ça c'est la plus importante, parce que tu es conscient du fait que ce que tu vois dans la vie des brebis, c'est toi. Tu ne le juges pas. Mais plutôt, ça crée en toi la patience. D'accord? Ça crée en toi la patience. Amen. Je ne sais pas si les amis dans le studio comprennent un peu ce que je suis en train de dire. Yeah. Parce que, tu vois, quand tu vois que ce que ta fille est en train de faire là, ça c'est toi quand tu étais petit. Ce sont des caprices que tu faisais. C'est-à-dire que tu lèves ta main, tu veux la gifler, mais tu te souviens que ça c'est toi. Et tu vois, et il y a un verset comme ça, je pense, Jean chapitre 2. Quand Christ a dit que, Jean chapitre 2, quand, après avoir changé de l'eau en vin, les gens voulaient lui établir comme roi. D'accord? Donc je pense que les versets 23, 24, 25. Mais la Bible dit que il ne s'est pas fié en eux parce qu'il savait ce qui était en l'homme. Tu vois? Donc, tu comprends. Il ne s'est pas fié en eux parce qu'il savait. Il savait. Mais Jésus ne se fiait pas en eux parce qu'il connaissait tous les hommes. Tu vois un peu? Donc, c'est la même chose aussi pour nous. Et je pense, son chapitre 103, à partir du verset 10 jusqu'à verset 14. Il dit, il ne nous châtie pas selon notre iniquité. Il ne nous punit pas. Et le verset 13-14 nous dit que parce qu'il se souvient de notre forme. Il se souvient de comment nous avons été créés. Que nous sommes poussière. Tu vois, donc, il lève sa main, il veut nous châtier. Et puis, il se souvient que non. Mais je vais le frapper, pourquoi? Ce sont des poussières. Tu vois, donc, c'est la même chose aussi. Ça, c'est la sagesse, en fait. Tu commences à devenir un bon berger. Quand tu es conscient que ce que la brebis est en train de faire là, ça, c'est toi. Donc, puisque tu es conscient que c'est toi, tu ne le châties pas, tu ne le condamnes pas. Mais tu vois que c'est l'hypocrisie de la plus haute gamme, hypocrisie en majuscule, qui fait qu'un berger qui sait que ce que la brebis est en train de faire, par exemple, tu les appelles et ne les décroches pas. Il t'est promis qu'il va venir à l'église, il ne vient pas à l'église. Quand tu le vois, tu commences à le gronder. Est-ce que tu as oublié que tu faisais la même chose? Tu vois un peu, tu as oublié complètement que tu faisais exactement la même chose. En fait, c'est par là que tu commences à devenir un mauvais berger. Mais tu commences à devenir un bon berger quand tu comprends comme Jésus, n'est-ce pas? Et tu ne le châties pas selon les iniquités, pas selon les transgressions. Pourquoi? Parce que tu te souviens que ce qu'ils sont en train de faire, ça c'est toi. C'est ton ADN qui commence à se manifester en eux. À cause de ça, quand tu vois, aujourd'hui par exemple, aujourd'hui il y a l'un de mes brebis, tu vous allez pas croire. Si je cite son nom aujourd'hui, maintenant là, tu vas mettre ta main sur ta tête, tu vas sauter, sortir d'ici, revenir encore, tu vas faire pompage et tu vas t'asseoir encore. Il y a l'un de mes brebis préférés, brebis que j'ai beaucoup aimé, you know, il est parti, j'étais pas de quelqu'un que j'ai pris même à côté de moi, il est parti, revenir, finalement, je lui avais même embouché dans mon travail et lui donner un boulot à faire. Il a commencé travail vendredi, samedi, dimanche, lundi, on ne l'a pas vu. Depuis lundi, ça fait déjà presque 2 ans, on ne l'a pas vu. Je suis sûr que tu commences déjà à deviner de qui je suis en train de parler. Mais je te parle d'une brebis qui m'envoie un message sur Facebook aujourd'hui. Et puis il dit, père, il a dit, shalom père. Et puis j'ai dit, bonjour mon fils. J'ai dit, bonjour fiston, tu me manques beaucoup. Et puis il dit, je ne mérite pas. Je ne sais pas si je peux trouver ce message. Donc, il m'a envoyé le message sur à Facebook. D'accord? Regarde, il dit, pardonne-moi, papa. Pardonne ma conduite. Souvent, on croit connaître le chemin, mais perdu de nulle part, on regarde en arrière et on s'aperçoit de l'énorme fosse qu'on a creusée nous-mêmes. Je ne suis plus digne que tu m'appelles fiston. Tu vois, maintenant, un hypocrite va se lever et dire, oui, mais c'est vrai,
Tu n'es pas fiston, tu es le fils prodige. D'accord? Ou tu, c'est comme ça que tu deviens mauvais berger. Parce que quand tu te souviens que ta vie continue dans tes brebis et que ce que tu vois dans la brebis, c'est toi au fait. C'est comme ça que tu étais. Parce que moi aussi, je me souviens. Parce que je me souviens, quelle était ma réponse? Regardez, est-ce que tu peux lire la réponse que j'ai envoyée à cette brebis-là? Okay. C'est quoi la réponse? Regarde ma réponse. Tu seras pour toujours et à jamais mon fils. Yes! Tu vois, tu seras pour toujours et à jamais mon fils. Et voici sa réponse. Il a mis les émojis des larmes qui pleurent. Oui, voilà, papa. Tu vois, donc tu vois que je réponds à ta question. Tu vois que vraiment tu commences à devenir un bon berger parce que tu te rends compte que ce que la brebis est en train de faire là, ça c'est toi. Donc tu deviens plus patient. N'est-ce pas? Et quand surtout quand il arrive qu'il se rend compte et il vient vers toi en train de pleurer, il demande pardon, tu ne le grondes pas. C'est-à-dire que tu attends même qu'il se comporte de la sorte parce que tu te souviens, comme la Bible dit, tu te souviens qu'ils sont poussière, tu te souviens qu'ils sont comme tu étais quand tu étais une brebis qui n'était pas bien assise dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si j'avais bien répondu à la question. On peut passer à la question suivante. Merci, Révérend Béni, de nous avoir enseigné et ouvert les yeux sur le monde de nos brebis. Dans la session 2, nous avons appris que l'une des choses dont les brebis ont besoin est de se reposer et de ne pas trop les conduire. Ce dont les brebis ont besoin, c'est de se reposer. De se reposer et de ne pas trop les conduire. Comment faire la différence entre une brebis qui a besoin de se reposer et une brebis qui se repose parce qu'elle est paresseuse ou qui a tendance à être paresseuse? Et hey, voilà, ça vraiment c'est question à haute gamme, cette question. Mais c'est ça, chauffe du cœur. En fait, ça me fait comprendre que vous m'avez suivi attentivement. Et surtout que vous avez prêté attention sur les explications de les écrits bénis de mon père spirituel, Bishop Dag Iwadmeyer. Ce sont des véritables bénédictions. Comment savoir et comment distinguer la différence entre brebis qui doit se reposer et puis brebis qui lui-même se repose parce qu'il est paresseux? La différence, c'est le berger. Regarde ce que David a dit. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Le repos vient du berger. Donc, si la brebis lui-même s'allonge en train de se reposer, c'est que ce n'est pas le berger qui a fait ça. Ça, c'est un berger, brebis paresseuse. C'est à quoi le moment we love you to laugh some, because then they will see that you are not, you don't understand what we are saying. When we love you, also try and laugh some. The dimples. The dimples, you know, yeah. Let us see the dimples. You laugh small, then you turn your face a little small, then we can see the dimples. It's working. Mais it's interesting. I mean, c'est très intéressant. Je vous donne un exemple. Tu te souviens qu'on a eu le bélier qui est venu, notre tout premier bélier qui est venu, qui avait tout le temps la tendance de se reposer. Et puis il est mort. Tu vois, parce que quand la brebis est tout le temps en train de dormir, il y a un problème. Même les enfants. Les enfants aiment jouer, aiment courir. Dès que tu vois que l'enfant est tout le temps allongé, il y a un problème. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas repos. Ce n'est pas normal. L'un de mes fils est comme ça. Il joue tellement que, en fait, c'est tout un exercice pour lui faire dormir la nuit. Mais quand tu vois que lui-même s'allonge pour dormir, c'est que, look, il faut appeler le médecin tout de suite. Il faut arriver à l'hôpital tout de suite. Parce que là, il dégrade rapidement la santé. Et donc, tu vois que la différence ici, brebis qui s'allonge lui-même pour se reposer, ça, c'est la paresse. Parce que c'est le berger qui donne le repos. Je vous donne encore preuve à cette théorie. Cette doctrine ou cet enseignement spirituel. Je te donne encore preuve. Regarde Matthieu chapitre 11, le verset 28, quand Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc tu vois que le repos, ce n'est pas quelque chose que la brebis prend pour lui-même.
Brebis qui prend le repos pour lui-même, c'est brebis paresseux. Merci. C'est brebis paresseuse. Yeah. On a veillé, tu dors. Je suis fatigué. Ça, c'est de la paresse. On est tous debout en train de prier. Toi, tu es assis. Ça, c'est de la paresse. Mais tu vois, c'est le berger qui doit prendre conscience que la brebis a besoin de repos. Et la berger lui fait reposer. C'est ce que David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le repos. C'est lui qui me fait reposer. Amen. Alléluia. Amen. Reçois la capacité de faire reposer tes brebis. Amen. Et de leur donner confort. De leur donner confort. Je vous assure que pour le reste de ma vie, partout où je vais enseigner encore ce message, je me souviendrai toujours de comment j'avais mon pitbull à côté, dans la cage à côté de le mouton. Et c'est pour cela qu'il ne se reposait pas. Parce qu'il y avait danger juste à côté. Mais quand on a commencé à faire maintenant le tour de sortir les pitbulls, quand les moutons sont dedans, et de libérer le mouton quand le pitbull est dedans, là tu vois qu'ils sont à l'aise, ils se reposent, ils se reposent. Alléluia. Donc reçois la grâce et l'onction de créer une atmosphère de confort et une atmosphère reposant, assez reposant pour tes brebis au nom puissant de Jésus. Amen. Question numéro 3. Shalom pasteur, voici les questions. Comment devenir un bon berger gagneur d'âme, le cas d'un acaso? Fantastique. Vous allez voir en Matthieu chapitre 9, la Bible dit que Jésus-Christ, voyant la foule, il était ému de la compassion. Quel était le résultat de cette émotion qu'il a eue? La Bible dit qu'il a vu que les moutons étaient dispersés, abattus et languissants, comme le mouton sans berger. Tout ça, c'est explication. Verset 37, regarde, la Bible dit, regarde ce qu'il a dit. 37, regarde. Alors, il dit à ses disciples, ça veut dire qu'on peut dire, voyant la foule, alors il dit, voyant la foule, il était ému de compassion. Alors, il dit. Donc, le résultat de la compassion de Christ, c'est quoi? Regarde, il dit. Alors, il dit à ses disciples, « Certes, la moisson est grande, mais il y a peu des ouvriers. » Quelle est la solution? 38. Regarde la solution. On peut lire ça ensemble. « Priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. » Donc, tu vois, quel est le résultat direct de la compassion que Jésus a eu? C'est demander aux gens de prier pour les ouvriers. Donc, tu vois que si tu veux être un bon berger qui gagne des âmes et qui cherche et qui poursuit ses brebis, prie que Dieu te donne cette compassion. Parce que la compassion que Christ a eue, les résultats directs de ça, c'est l'émotion. Il était ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça? Il a donné conseil qu'on doit prier pour envoyer les ouvriers. Amen. J'ai entendu mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, dire souvent que c'est l'une des choses qu'il priait, et jusqu'aujourd'hui il demande toujours que Dieu lui donne le cœur d'un gagnant d'âme, que Dieu lui donne la compassion pour les âmes. Quand tu demandes à Dieu quelque chose comme ça, il va te donner. Au lieu de lui demander l'argent, lui demander pour ton gars, que ça fait longtemps que tu n'as pas encore eu un gars, hein, Beverly, dis amen. Amen. Que ça fait longtemps que tu n'as pas eu, ton go n'est pas encore venu, que tu attends toujours que Dieu te donne un go hispanique. Merci. Ou une go caucasienne, n'est-ce pas? Non. Demandez plutôt que Dieu te donne la compassion pour les âmes. C'est quelque chose que tu peux demander tous les jours. Parce que lui-même a dit que priez pour ça, priez pour ça. Donc quand tu demandes, tu l'auras. Amen. Amen. Numéro 2. Comment arriver à appliquer les enseignements sur le bon berger pour devenir un bébé et un GB selon l'ordre de Jésus-Christ? La clé est très simple. Écoutez le message et regardez les vidéos encore et encore. Parce que l'homme des plus intelligents retient que 11% de ce qu'il entend. On a reçu tellement des enseignements. La formation est vaste. Les points sont nombreux.
que Alain là, si je te pose question sur épisode numéro 2 de High Twin saison 1, ça sera gâté ici. Donc, ayez l'habitude d'écouter les prédications tous les temps, parce que chaque fois que tu vas écouter, tu apprendras quelque chose de nouveau que tu peux appliquer tout de suite. En Jean chapitre 13, Christ dit, il dit, vous êtes bénis pour vous que vous le mettez en pratique. Dans Jean chapitre 13, 17, Christ a dit, vous êtes bénis pour vous que vous le mettez en pratique. Donc, il y a deux étapes. Première, écoutez le message encore et encore et encore et encore. Chaque fois que tu vas écouter, tu vas entendre quelque chose de nouveau que tu peux appliquer. Numéro 2, applique-le tout de suite. Parce que si tu n'appliques pas, c'est comme quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a rien entendu. Jacques chapitre 1 dit que tu es comme quelqu'un qui regarde son visage dans un miroir et aussitôt qu'il sort, il oublie à quoi il se ressemble. Amen. Donc, dès que tu écoutes le message et tu entends, on a parlé d'une stratégie, on a parlé d'un principe, on a parlé d'un principe, on a parlé de quelque chose à appliquer, applique-le tout de suite sur les champs. Et c'est comme ça que tu vas commencer à devenir un bon berger. Amen. Je crois qu'on est arrivé sur la dernière question. Je fais l'effort d'appliquer les enseignements de iTrain, mais le brebis n'arrive pas à me suivre. Comment amener le brebis à me suivre et grandir pour la multiplication? Patience. Patience. Amen. Patience. Ça prend du temps. En dehors de tout ce que nous avons appris, quand vous aurez fait tout ce qu'il faut, la Bible dit car vous avez besoin de la patience. Vous avez besoin de la patience. Que après avoir tout fait, vous obteniez la promesse. Hébreux chapitre 10, 36, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, il dit, vous avez besoin de la patience. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Que après avoir tout fait, vous obtiendrez la promesse. Amen. Yeah. Car vous avez besoin de patience afin qu'après que vous ayez fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir la promesse. Donc, tu vois que la Bible nous dit que c'est avec patience. Regarde, Dieu donne promesse à Abraham que tu auras un fils. À partir de Genèse chapitre 13 où il a eu cette promesse, quand il a reçu la promesse, c'est 20 ans après. Donc tu vois que donc c'est il y a une patience. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un rapport avec sa servante et créé une race des peuples qui sont le plus grand problème pour la promesse aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui. Quand tu as lu sur toutes les sites de journaux, de télévision, CNN, BBC, la nouvelle qui est répandue, qui occupe l'attention de tout le monde, c'est actuellement une guerre entre la promesse qui est venue 20 ans après et la faux impatience qui est sortie avant 20 ans. D'accord? Donc, la patience. Après avoir tout fait, tu attends patiemment. Ils vont te suivre. Il n'y a personne qui peut résister à l'amour. Quand tu aimes la brebis en toute sincérité, tu pries pour eux, tu les nourris, tu les donnes le confort qu'il faut, tu les recherches, n'est-ce pas? Tu les traques, n'est-ce pas? Tu les nourris bien, tu les enseignes bien, n'est-ce pas? Tu pries pour eux, n'est-ce pas? Tu intercèdes pour eux. Après avoir tout fait, tu as besoin de la patience. Amen. Ça va multiplier, ça va grandir. Alléluia. Amen. Et j'ai prié par ces réponses à ces questions que Dieu vous donne encore davantage durant cette période de Noël, durant cette période de Christmas et de fêtes et de saisons de réflexion, que Dieu te donne un cadeau. 2023 ans passés, un cadeau est venu dans ce monde. Et depuis que ce cadeau est venu dans ce monde, depuis que ce don de Christ est venu dans ce monde, le monde n'est plus resté la même. Alors, j'ai prié pour toi que pendant cette saison de Noël, tu recevras un cadeau, un don venant de Dieu au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, avant de mettre la fin à cet épisode, je vais vous montrer et partager brièvement avec vous pourquoi
Judas a trahi Jésus et pourquoi, qu'est-ce qui a fait que Satan a pu entrer dans le cœur de Judas. Là, nous allons étudier Jean chapitre 13, les 1 à 27. Mais commençons avec 27 d'abord. Jean chapitre 1, 27. Regardez quelque chose d'intéressant. J'ai une chanson aussi pour vous. N'oubliez pas. C'est pourquoi il y a une clavériste ici, parce que je vais chanter pour vous avant la fin de cette set. Amen. Yeah. 14 semaines de iTrain, de formation. Le moins de choses que je peux faire, c'est chanter pour vous pendant cette saison. Wow. Amen. Donc, restez jusqu'à la fin pour cette grande surprise. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Et après que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Maintenant, la question est, qu'est-ce que Judas a fait pour que Satan puisse avoir accès à son cœur? Parce que ce que Judas a fait pour que Satan puisse avoir accès à son cœur, c'est exactement ce que tu feras aussi, donc qui va ouvrir le cœur, ton cœur à Satan. Mais ça ne sera pas ton cas parce que ce message va te vacciner. Amen. Quelqu'un peut me dire un bon amen là-bas. Tapotez, vas-y. Viens. Mettez le cœur. Alléluia. Amen. Donc, yeah. Donc, nous sommes en train de dire que la raison, exactement ce que Judas a fait, qui a mis Satan dans son cœur, c'est exactement ce que nous pouvons aussi faire, qui va ouvrir nos esprits à Satan aussi. D'accord? Alors, on voit simplement des événements qui se sont passés, et puis on nous informe que Satan est entré dans le cœur de quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 1. À partir du verset 1, regardez intéressant. Et à partir du verset 1, yes. Or, avant la fête de la Pâque, lorsque Jésus savait que son heure était venue, où il devait partir de ce monde vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Continue, verset 2. On va lire plusieurs versets maintenant. Et le souper étant terminé, le diable ayant déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le trahir. Verset 3. Jésus, sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu, s'en allait à Dieu. Continue. 4. Il s'élève du souper et mit de côté ses vêtements et prit une serviette et s'est saigné. Continue. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds de ses disciples et les suya avec les serviettes, donc il était sain. Puis il arrive à Simon Pierre et Pierre lui dit, Seigneur, mais laves-tu mes pieds? Continue. Jésus répondit et lui dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. 8. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas. N'oubliez pas, hein? Pierre a dit, tu ne me laveras pas jamais le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras aucun pas avec moi. Tout le monde n'oublie jamais cette phrase. Si je ne te lave, tu n'auras aucun pas avec moi. Continuons. N'oubliez pas, hein? Continuons. Verset 9. Simon Pierre lui dit, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. N'oubliez pas ça aussi. Verset 10. Jésus lui dit, celui qui se lave a besoin seulement qu'on lave ses pieds. N'oubliez pas ça. Hein? Il dit, si je ne te lave. Mais là, il a précisé que c'est le pied qu'il veut laver. Parce que s'il ne lave pas tes pieds, tu n'as aucune part avec lui. Maintenant, Simon lui demande de laver tout son corps. Et puis il dit, non. C'est lui qui doit être lavé. On doit laver que ses pieds. Alors, il est entièrement net. Et vous êtes net, c'est-à-dire vous êtes pur, n'est-ce pas? Vous êtes pur, mais non pas tous. Tout le monde, look, je vais vous montrer exactement ce que Judas a fait, qui a ouvert son cœur à Satan. Parce que tu vois que lorsqu'il a lavé tout le monde, Judas aussi était là. On l'avait lavé aussi. Mais là, Jésus est en train de dire que vous êtes tous lavés. Mais vous n'êtes pas tous purs. C'est que ce n'est pas lavé avec de l'eau dont il est en train de parler. Mais il est en train de parler d'un autre lavé. Maintenant, la Bible nous dit en Jean chapitre 15 que
Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, maintenant, vous êtes tous purs par la parole que je vous ai prêchée. Donc, tu comprends, les amis, que la prédication de la parole de Dieu et la prédication de ton pasteur, c'est de l'eau. Quand ton pasteur prêche, il est en train de laver tes pieds. Amen. Quand ton pasteur prêche, il est en train de te laver. C'est pourquoi quand Pierre a dit, tu ne peux pas me laver, Jésus a dit que si je ne peux pas te laver, c'est que tu n'as pas une part avec moi. Ça veut dire quoi? Ça, c'est la clé de tout ce que je suis en train de partager avec toi. Ça, c'est la clé. Quand ton pasteur ne peut pas t'enseigner, quand tu arrives à un niveau où tout ce que ton pasteur prêche n'arrive pas à te faire changer ton avis, tu n'as plus une part avec lui. Les amis pasteurs, fais attention à chaque brebis. Quand tu prêches, il n'écoute pas. Quand tu prêches, il n'entend pas. C'est-à-dire que ta prédication ne peut pas lui faire changer d'avis. Ta prédication ne peut pas lui faire changer une décision qu'il a prise. Ta prédication ne peut pas lui faire prendre de nouvelles décisions. C'est-à-dire que ta prédication ne peut pas orienter ses pieds. Tu vois que Jésus a précisé que laver là, ça veut dire ma parole là, c'est sur les pieds qu'on doit mettre. C'est pas la tête, ce n'est pas le main. Si ma prédication peut diriger tes pieds, c'est que tu as une part avec moi. Mais quand ma prédication ne peut pas diriger où tu vas, c'est que tu n'as pas une part avec moi. Et c'est ce que Jésus était en train de dire à Simon Pierre. Et puis, alors, et tu vas voir, parce que dans cette passage, on va compter ensemble combien de prédications Jésus va prêcher dans moins de 30 minutes. Merci. Et Judas n'a pas entendu. Merci. Prédication numéro 1. Regarde. Prédication numéro 1. Alors, il est... Non. Retournez. 10. Jésus lui dit, celui qui s'est lavé a besoin seulement qu'on lui lave ses pieds. Ça veut dire, c'est lui qu'on doit laver, prédication. La prédication doit diriger seulement le pied des bergers et des gens à l'église. Prédication doit orienter comment ils vivent leur vie. Il dit, si ça peut faire ça, tout leur corps sera entièrement pur. Et puis il dit ceci, alors, il est entièrement pur. Non, retournez. Il dit, alors, il est entièrement pur. Et vous êtes pur. Mais non pas tous. Prédication numéro 1. Si moi, je viens de trahir mon pasteur. Je viens de lui vendre pour 30 pièces d'argent. Et puis, on est tous ensemble. Et puis, le pasteur a dit que vous êtes tous purs. Hein? Mais il y a quelqu'un ici qui n'est pas pur. De coup, je prends mon téléphone, j'envoie sur le message de groupe, le groupe chat où on a créé. Le groupe de vendeurs de Jésus. Groupe vendeurs de Jésus. Oui, les gars, coupez. Avorte. Plan avorté. On nous a attrapé. Le gars est là au courant. On vient de m'informer. Merci. Continue, verset 11. Oh là là. Verset 11. Car il savait qui devait les trahir. C'est pour cela qu'il dit, vous n'êtes pas tous purs. Prédication numéro 1. Judas n'a pas encore entendu. Hein. Après donc, il a lavé leurs pieds. Et repris ses vêtements et s'est remis à table. Il a dit, savez-vous ce que je vous ai fait? Continue, 13. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc moi, votre seigneur et maître, j'ai lavé vos pieds, vous aussi devez laver les pieds les uns des autres. 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Continuez. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis si vous les faites. Donc, tu vois, si je prêche et vous connaissez, vous êtes bénis si vous appliquez mes prédications. Regarde, je ne parle de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis,
Mais il faut que l'écriture puisse être accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Prédication numéro 2. Le gars est toujours assis. Hein. Il est toujours assis. Oh, Judas. Oh non. Il est de passage. Non. Prédication numéro 2. Prédication numéro 2. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Ça, c'est prédication numéro 2. Continue. 19. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive, afin que quand ce sera arrivé, vous puissiez croire que je suis celui que je suis. Continue. Verset 20. En vérité, je vous dis, c'est lui qui reçoit. Quiconque j'envoie me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Verset 21. Après que Jésus ait dit cela, il fut troublé en son esprit et témoigna, il dit, en vérité, je vous dis, l'un de vous me trahira. Hey, prédication numéro 3. Pardon. J'ai dit, ici c'est moi là, c'est ici que moi-même là, je vais sortir de groupe chat même, je vais sortir de groupe. C'est-à-dire que numéro 1, je vais dire que les gars, à voter le plan, ça marche pas. Merci. Et puis il dit encore, je vais supprimer le groupe chat. Au cas où on prend téléphone des gens. C'est sorti. Que on est là, on va dire Judas parti, Judas est parti, Judas Iscariote est parti, Judas Iscariote est parti de groupe chat. Prédication numéro combien? 3. Continue. Alors les disciples se regardaient l'un à l'autre, demandaient de qui il le parlait. Continue. Or, il y avait l'un de ses disciples, celui qui Jésus aimait, appuyé contre la poitrine de Jésus. Et Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait. Continue. Lui donc était penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ?» Continue. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai un morceau après que je l'aurai trempé. Et après qu'il ait trempé le morceau, il la donna à Judas Iscariote, le fils de Siméon. Prédication numéro 4. Non, vraiment, Judas. Jusqu'à là, le gars n'a pas sorti tout. Il n'a pas sorti de groupe chat. Hein? Est-ce que quelqu'un peut écrire Judas, sors de groupe chat. Judas, sors. Judas, sors. Sors de groupe chat. Sorti de groupe chat. Sorti de groupe WhatsApp. Judas, c'est bon. C'est bon, Judas, sors. C'est pas fini. Prédication numéro 5. Regarde. Verset 27. Regarde. Jésus répondit. Celui qui a verset 27. Et après que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ça n'est plus prédication générale. Ça c'est prédication personnelle. Ça c'est prophétie. Ça c'est statut visé. Ça c'est balle visée. Ça c'est pas balle perdue. Hein. Ça c'est balle visée. Ça dit que quand il a fini cette fois-ci, il lui regarde tout droit et dit, ce que tu as à faire, faites-le rapidement. Personnellement, c'est ici que moi, je vais jeter mon téléphone. Je prends mon téléphone et je vais jeter mon téléphone. Je dis, Jésus, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien. Pardon, il n'y a rien. Quand tu arrives à un niveau de vie où, peu importe ce que ton pasteur dit, ça ne change pas ce que tu fais. Tu deviens un candidat avec un cœur ouvert pour une infiltration diabolique. Satan a aussi son goût préféré. Son goût, c'est les gens que la prédication de leur pasteur ne les change pas. Écoutez, pendant ces fêtes et pendant ces périodes, prends la décision que quand tu viens à l'église et pendant que vous êtes en train d'écouter la prédication, ton pasteur dit que quand on quitte ici, va à la maison, appelez ta mère. N'appelle pas ton petit ami, n'appelle pas ton fiancé, n'appelle pas ton bien-aimé, appelle ta mère. Quand ton pasteur dit que quand tu quittes ici, il ne faut pas aller coucher dans la chambre des garçons. Même si tu as nuisette dans ton sac, tu es prêt. Ça dit que le rendez-vous est calé. Tu es prêt. C'est aujourd'hui là. Toi-même, tu t'es dit qu'aujourd'hui, on va se blesser. Hein? À cause de ce que ton pasteur a dit là, prends taxi Yango,
et va à la maison. Ça dit que quand tu arrives à un niveau où peu importe la prédication qu'on prêche, ça ne t'amène pas à changer d'avis. Surtout sur où tu vas avec tes pieds. Tu deviens un candidat pris pour une infiltration diabolique. Voici comment Judas a trahi Jésus. Voici ce que Judas a fait pour que son cœur soit ouvert pleinement à Satan. 5 différentes prédications prêchées. 1, c'était général. 2, c'était un peu plus précis. 3, encore général. 4, c'était personnel. Prophétie avec démonstration. On a pris morceau de pain, trempé ça et puis on t'a donné. Et puis on a interprété ça. 5, là, on t'a pris par la main comme ça. On dit, hey mon gars, ce que tu as fait là, fais-le vite. Et jusqu'à là, il n'a pas compris. Dès qu'on a dit ça, il s'est levé aussi et puis il est merci. Parti. Merci. C'est-à-dire que ce qu'il a décidé qu'il va faire là, c'est ça qu'il a fait. Oh les amis, j'ai prié pour vous. Pendant cette saison de fête, que Dieu vous donne le cœur extraordinaire de quelqu'un obéissant à la parole de Dieu. Que donc 2023 là c'est cadeau. 2023 est déjà fini. Pliez ces valises pour elle. Il reste encore 5 jours et on a fini avec 2024. Pliez ces valises pour elle, laisse-lui partir. 2024 ne te prendra pas par surprise. Prends la décision que en 2024 tu vas obéir à tout ce que ton pasteur va te dire. Amen. Quand on te dit lève-toi, tu vas te lever. Quand on te dit assieds-toi, tu vas t'asseoir. Quand on te dit va à gauche, tu vas aller à gauche. Quand on te dit va à droite, tu vas aller à la droite. Amen. Quand on te dit repose-toi, tu vas te reposer. Quand on te dit lis ta Bible, tu vas lire ta Bible. Quand on te dit prier, tu vas prier. Quand on te dit on va gêner, tu vas te donner à ça. Mais surtout, quand tu planifies des choses dans ta tête et la parole de Dieu révèle la méchanceté de ton cœur, abandonne très vite. Amen. Laisse tomber. Ne sois pas endouci à ta propre chute. Décédé que tu ne seras pas comme Judas. Décédé que tu ne seras pas comme Judas. Quelqu'un donc, aucune prédication de son pasteur n'arrivait pas à lui changer. Seigneur, je prie pour toutes les high trainers de l'Europe, de partout dans le monde, d'Amérique, d'Afrique du Sud, d'Afrique, de la Chine, du Japon, de l'Arabe, UAE, Dubaï, n'est-ce pas, de toutes les îles du monde. Je vous bénis mes frères, je vous bénis mes soeurs, et je déclare que tu reçois aujourd'hui un cœur souple, un cœur assoiffé, un cœur souple, un cœur qui écoute et qui applique, quelqu'un qui est béni parce qu'il applique ce qu'il entend, quelqu'un qui n'est pas dur aux corrections de la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas comme Judas. Donc Satan ne peut jamais entrer dans son cœur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la parole qui est comme un vaccin qui nous empêche de tomber dans le même piège comme Judas. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux vous savoir. Oui, ça va par la grâce de Dieu chez vous. Dieu merci. Dieu merci. Moi, ça va, Dieu. Dieu merci. Alors, peut-être on a une nouvelle. D'abord, nous tenons à vous féliciter d'avoir participé à ce jeu de Macarios 100. Et puis, félicitations encore d'avoir remporté le jeu. Juste savoir, monsieur Kwaku Hiver, c'est ça? J'espère que je ne coche pas votre nom. Hein? C'est Kobina Hiver. Kobina Hiver, désolé encore. Juste savoir, vous êtes de quelle ville? Abidjan. Abidjan. Vous priez dans quelle église? CTR. CTR de Pasteur Jati. Oui, mais celui de Makori. Ah, d'accord, celui de Makori. Le nom de votre pasteur, c'est? Pasteur Arnaud Saïd. Ah, d'accord, Pasteur Saïd Arnaud. Waouh, je lui fais un gros coucou. D'accord. Une fois de plus, félicitations. Nous allons vous envoyer un message où vous pourrez passer récupérer votre Macarios. Nous sommes vraiment ravis. Juste savoir, vous avez comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir remporter ce grand prix là?
D'abord, j'étais à l'école 2005. Wow. Ok. Oui, il a quitté même ma carrière. Wow, ok. Donc, lorsque j'ai quitté une salle là, mes amis étaient dans le fait. Ah, d'accord, ok. Donc, je me suis promis, et je me suis dit, l'année prochaine, lorsque je vais partir, je vais acheter des matériaux, là, je vais. D'accord, mais là, vous n'avez pas donné 5 francs et vous avez reçu un macarios. Waouh! Wow. Voilà. C'est vraiment donc, fantastique. Je voulais à chaque fois de donner, et puis j'allais me redonner, mais j'allais me donner la possibilité de pouvoir garder le micro de l'histoire. D'accord. Donc, voilà, d'amener le micro de faire au fait. Wow. De ma manière, c'était d'être donné. Donc, je trouvais la charité, et puis formé au fait. Là, je suis dit, waouh! En fait, je suis déjà parmi la possibilité en fait, d'avoir des livres pour donner à des amis. Donc, bien sûr. J'ai un mot sur le fait que la personne au fond, j'ai demandé des livres. Donc, c'est un parti. Donc, j'ai mobilisé les livres. Par la grâce de Dieu, Waouh, nous sommes très contents pour vous. Vous avez eu un Macarios. Cadeau gratuitement. Waouh, félicitations encore. Ouais, au courant de la semaine, comme je vous ai promis, il y a un concours qui a été lancé sur la page Révérend Benny Dag Anan Instagram. Et il y a un gagnant de concours. C'était très simple. C'est lui qui va partager le plus l'affiche. C'est lui qui va commenter le plus. Et c'est lui qui va inviter plus de ses amis à suivre le page Benny Dag Anan. Donc voici, il est combinant notre gagnant des concours. Sur Instagram. Donc, il est combinant. Si vous êtes en train de me suivre maintenant, voici votre Macarios qui est là à côté de moi avec les rubans autour. L'équipe va expédier ça à toi partout où tu te trouves dans le monde. Tu vas recevoir votre Macarios. Alors, pour toutes les amis aussi qui sont connectés, le concours n'est pas encore fini. Dans la semaine qui vient, il y a encore de nouvelles postes qui seront faites. Quand tu vois la poste comme ça, vous devrez tapoter, vous devrez mettre le cœur, vous devrez partager, vous devrez mettre ça sur ton statut, vous devrez inviter le maximum des amis de commenter et plus important, vous devrez demander à tous tes amis qui sont abonnés sur ta page d'abonner sur la page de Benny Dag Anan. C'est notre projet d'avoir 2000 abonnés sur Instagram avant 31 décembre. Alléluia, amen. Donc voici les cadeaux de Ilay Kobina. Et ça pourrait aussi être votre bonne nouvelle cette année. Père Noël, je ne sais pas, ça, peut-être ça existe dans les dessins animés, mais ça, c'est Père Noël spirituel. C'est Père Noël spirituel, n'est-ce pas? Et vous allez recevoir, tu seras là, tu vas recevoir des gens ping, ping, sous votre portail. Et puis, tu vois que voilà, on a l'équipe DHM à livrer jusqu'à votre maison, votre Macarios d'avoir gagné le concours. Donc, à partir de cet instant, tapotez, mettez le cœur sur Instagram. Come on, like this, work it out. Et puis, partagez. Invitez la majorité de tes amis à suivre, à liker, à abonner sur toutes les plateformes Facebook, Instagram, TikTok. Trouvez Révérend Benny Dag Anan, n'est-ce pas? Et juste like, post, republier, partager. Et je vous assure que ça va monter sur notre écran. Nous avons lancé et on verra qui va partager le plus et qui va inviter ses amis le plus. Et c'est la personne qui recevra l'appel. Alors, la prochaine fois, ça sera ton tour. Alléluia. Sois béni et il est. Enjoy your Macarios. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Alléluia, les amis. Well, avant la fin de cet épisode, je vous ai promis de chanter pour vous. Vous êtes des magnifiques. Belgique, iTrain. Ça, c'est mon Christmas spécial pour vous. Il y a longtemps que je n'ai pas chanté. Donc, je voulais vous juste chanter, glorifier Jésus pour vous. Adorer le Seigneur pour vous, pour votre vie et pour tout ce que vous avez appris durant ces 14 à 15 semaines de iTrain et de formation iTrain.
ça a été vraiment, vraiment, vraiment instructif. Ça a été vraiment chaleureux. Ça a été vraiment inspirant, vraiment. Et vos témoignages, vos questions, vos commentaires nous ont vraiment fortifiés. Et j'ai l'impression que je vous connais. J'ai l'impression que je vous connais, chacun de vous, tous les 3000 et quelques bergers qui nous suivent sur iTrain Europe International. Alors, voici les Christmas spéciales que j'ai trouvé. La dernière fois que j'avais chanté pour mes brebis, c'était en RDC en 2015. Kit de Noël 2015. Et j'ai une chanson que j'aime beaucoup en anglais. Blessed Assurance, Jesus is mine. C'est la, l'assurance bénie, Jésus est la mienne. Alors, pour ceux qui comprennent anglais, c'est pour nous. Ceux qui ne comprennent pas anglais, les mots sont en train d'être traduits sur ton écran et vous pouvez suivre la chanson avec nous. Alléluia. Oh, Rabashata Kamasibo. Oh, Rabakatana. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Oh yes. Oh yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus is mine. Jesus is mine. Jesus is mine. Oh yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory, glory divine. Oh, yes. Salvation purchased of God, born of the Spirit, washed in His blood. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, I say blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a of glory, of glory divine. Error, salvation purchased of God, born of the Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praise Him, my Savior, all the day long. This is my story. This is my song. Praise Him, my Savior, all that He knows.
Seigneur. This is my story. This is my song. praising my Savior. All that they love. Oh, yes, and this is my story. This is my song, praising my Savior. Thank you, Jesus. Donc à tous les bébés, joyeux Noël. Merry Christmas. Merry Christmas. Mangez le poulet avec modération. Amen. Mangez le poulet avec modération. N'oubliez pas que dès janvier déjà, il y a la jeûne qui va commencer. N'est-ce pas? 30 jours, 21 jours, 40 jours, 60 jours, 50 jours. Donc, mangez avec modération, n'est-ce pas? Et l'année prochaine, ça sera encore du costaud. Ça sera wow, ça sera magnifique. N'oubliez pas tout ce que vous avez appris parce que, hey, vous avez un examen, un TD que vous devrez faire en janvier. Pour recevoir votre certificat de iTrain. Amen. Et n'oubliez pas qu'il reste encore au moins 10 jours pour l'arrivée de Macarius en France. Donc, si tu n'étais pas encore inscrit, voici le QR code, n'est-ce pas? Voici le QR code, le code QR ou QR code qui s'affiche sur ton écran. Prends capture d'écran de ça, scannez-le, inscrivez-vous très vite. Et vous allez voir aussi sous le lien d'inscription aussi comment payer, n'est-ce pas, pour réserver votre Macarius très vite parce que là, il ne reste pas place même pour plus que 200 personnes. Alors, faites vite, réservez votre Macarius avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Pour ceux qui sont du Canada et les îles, on a trouvé une solution pour vous. Donc, très bientôt, vous allez aussi avoir votre bonne nouvelle. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. De la part de toute l'équipe iTrain, ça fut une magnifique, magnifique période. On hâte vraiment de vous voir encore à un autre épisode de iTrain l'année prochaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Enjoy Christmas. Merry Christmas. Et à tous les bébés, tout le monde, vas-y, en fait. Ha ha ha.